Bonjour à tous les beaux gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous sommes le 2 février 2020 et on va s'intéresser à l'actualité sur la version japonaise de Dokkan Battle parce que oui, c'est les 5 ans, c'est les célébrations, tout ça, tout ça. On a ajouté les DS, etc. Mais en termes de contenu, on a fait le tour. Voilà, à ce qui paraît, il y a une rumeur persistante avec des hypothèses. À ce qui paraît, il y aura 3 parties. Bah, balancez les amis, on va en parler, enfin très rapidement, avant de commencer la VOD, je compte sur vous le maximum de pouces bleus, tel des beaux gosses, mettez des pouces bleus, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube également, et puis n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne secondaire, Brice Gaming Live, le lien se trouve dans la description, ou sur le bouton i en haut à droite. Alors très rapidement, on va s'intéresser donc à les quelques news qu'ils ont balancées in-game, donc, bon on le savait déjà, mais voilà. C'est annoncé une game très prochainement. Zamasu va passer LR, il va devenir Black Goku. Donc je vous invite à farmer 2 fois le Zamasu puissance actuellement disponible. Vous en faites 2 de Spedis et vous attendez patiemment de les passer tous les 2 LR. Et ensuite vous fusionnez les 2 pour faire SP20 gratos. Voilà. Ça va arriver lundi si je ne dis pas de bêtises. Et ça aussi on le savait, le Broly enfant et le Vegeta enfant vont passer Zeter, et en fait Vegeta, une fois passé Zeter, ce sera Vegeta et Raditz. Surprenant. Très très surprenant. Et Broly, ce sera un featuring avec avec le monstre du Loch Ness, voilà, à peu près. Donc voilà, en termes de news, c'est tout ce qu'ils ont annoncé. Donc, en théorie, la seconde partie devrait débuter. Alors j'ai bien dit, en théorie, vu que tout ça, ça arrive lundi, ça devrait donc, la deuxième partie devrait commencer lundi. J'espère qu'ils vont annoncer des informations concernant le tournoi. J'espère qu'ils vont, annoncer également des informations concernant d'autres types de contenus, d'autres events, des boules de Polonga à récupérer ou de Super Shenron, enfin peu importe, des trucs à faire quoi. Parce que j'avoue que pour une célébration pour une célébration anniversaire, c'est pas ouf. Hein. Il y a les DS, j'avoue, il y a eu pas mal de DS. Là, tous les jours, là, actuellement, il y a 6 DS à récupérer. Enfin, on récupère 6 DS par jour. Bon, en plus, il y a l'émission, si vous ne les avez pas finis, mais c'est bien. Mais en termes de contenu, voilà, on a fait le tour assez rapidement. C'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont nous annoncer des belles choses dès lundi. Donc voilà, s'ils ont prévu 3 parties, bah, il faut commencer à envoyer du lourd, les amis. Hein. Donc voilà, les amis, c'était une toute petite vidéo. Bah, dites-moi ce que vous attendez pour la seconde partie. Bah moi j'attends là, j'ai quasiment plus rien à faire, il me reste juste un ZTE à finir et puis voilà c'est fini quoi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont balancer du lourd. Il y a aussi là, la question, comment on récupère les 8 derniers tickets pour faire l'invocation LR Garantie. Ah oui, il y a plein de gens qui me demandent ça à chaque live, ça rend fou les gars, j'ai fait une vidéo en plus à ce sujet. Je vous le remets gentiment sur le bouton rond à droite. On peut pas récupérer les 8 derniers tickets. C'est comme ça, pour l'instant on peut pas. Il manque la seconde partie. Et donc on attend lundi. Alors soit ils annoncent lundi, soit ils gardent ça pour la troisième partie. Mais je pense qu'ils vont garder pour la seconde partie. Donc voilà les amis, un peu de patience. Après, plus que 24 heures à attendre pour avoir du contenu supplémentaire. Parce que bon, c'est vrai que pour l'instant. Ça tourne un petit peu en rond. Sur ce, passez une très bonne journée. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez également à vous abonner à ma chaîne secondaire, Brice Gaming Live, une chaîne dédiée au Let's Play. Voilà, le lien se trouve dans la description ou sur le bouton ici à droite. A très bientôt.